Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 18 au 24 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour lire, entendre, découvrir les messages qui vous sont adressés pour passer cette semaine au mieux. Être prévenu si jamais il se passe des choses un petit peu perturbantes. On a des grosses énergies parce que cette semaine, nous avons quand même les énergies de fête. Donc, qu'on célèbre ou pas les fêtes de fin d'année, ça dégage quand même, ça produit des énergies. On va le sentir plus ou moins fortement. On va aller voir pour vous. En plus, en ce moment, on a Mercure rétrograde. On a des tas de choses très intéressantes dans ce goût-là. On va aller voir les messages à entendre pour vous, amis Scorpion, pour cette semaine du 18 au 24 décembre. Celle-ci. Un flux d'amour existe pour soutenir mes rêves et je suis inflexible sur ce que je désire et j'ai confiance que ce sur quoi je porte mon attention va grandir. Bon, en tout cas, vous êtes motivé, vous avez envie de vivre des choses, vous avez envie d'être soutenu, vous avez des objectifs, oui, qui sont peut-être un peu bien précis cette semaine. On y croit, on reste optimiste, on va aller voir l'exercice associé pour vous, amis Scorpions, pour cette semaine du 18 au 24 décembre. Ben, exercice associé. La cohérence et le chakra de la gorge. Rester cohérent dans son discours, peut-être des choses à dire. La fréquence de la cohérence renforce notre capacité à accorder la fréquence du cœur à celle de l'esprit afin de développer notre pouvoir et créer ainsi la réalité que nous désirons vivre. Ça tombe bien parce que je pense que vous avez envie de vivre une certaine forme de réalité qui vous conviendrait, la vôtre, celle que vous aurez mis en place. Fermez les yeux et déplacez votre conscience vers votre cœur. On parle ici de lâcher dans le cœur. Parvenez-vous à vous connecter à sa vérité. Faites-vous confiance à votre cœur. Essayez de pratiquer cet exercice tout au long de la journée. Stoppez, lâchez et ressentez. Stoppez ou maintenez la requête ou la pensée qui surgit. Lâchez-la dans votre cœur et ressentez sa sagesse sacrée. On va aller voir. On va aller voir l'énergie majeure pour vous. Énergie majeure pour vous, amis Scorpion, pour cette semaine. La mort, phase de transformation, l'étoile. Bon, on y croit. Vous croyez vraiment à l'idée de laisser des choses derrière vous. Vous avez une capacité à trier, à faire un bon tri cette semaine, si possible. La vie vous amène à passer un cap, à transitionner, on va dire, aussi, à laisser et à conscientiser que le temps passe et que vous n'êtes plus ou que vous ne serez plus comme avant, mais que vous serez bien content d'être aussi ce que vous allez être sur la suite, ou sur une histoire, ou sur du travail, une métamorphose, une transformation, accepter de laisser passer, de se transformer. On va aller voir, amis Scorpion, trois cartes pour vous pour cette semaine. La justice et les amoureux. La justice est à l'endroit, les amoureux sont à l'envers. Ami Scorpion. La 6 d'épée à l'envers, la 7 de denier à l'endroit. Et la 5 de bâton, le signe d'eau, la fin, c'est le bazar.
roi de bâton. On ramène du monde dans votre petit programme, les signes d'eau. Et ça vous désorganise. Alors que c'était plutôt bien fichu quand même à la base. Vous avez l'énergie de la justice. Voir la vérité en face, faire en conséquence. Des vérités s'exposent, vous avez des réponses, vous faites avec. Vous avez peut-être une grande avancée, un grand pas avec l'énergie de la mort, transformation. On se désengage, on s'engage, on fait des signatures, on se désiste aussi. Mais enfin, les choses sont beaucoup plus claires, on a une vision nette et précise. Si on avait des questions, on a des réponses. Si on a agi précédemment en fonction et pour quelque chose, on commence à avoir un résultat. On a le résultat là qui commence à se faire sentir. 6 d'épée à l'envers, on aurait peut-être aimé continuer sur ce sujet un petit moment, mais on sait qu'il va falloir laisser ça de côté pour le moment. Donc, vous avez des idées en tête, je pense. Peut-être liées à l'énergie de cette justice. Une vérité s'est posée, une évidence, voir la vérité en face, des décisions, des actions sont posées. Vous auriez aimé continuer un petit peu dans ces énergies-là, sauf qu'il va falloir essayer de quitter une crise, prendre de la hauteur, évacuer la scène pour le moment, patienter. Avec la 7 de denier, le résultat n'est pas absolu en fait, est totalement satisfaisant, absolument et totalement satisfaisant, mais bon, vous comprenez bien que c'est nécessaire possiblement, il faut accepter cette situation. Et du coup, mais vous êtes quand même dans un boxon où vous arrivez, et du coup, après avoir clarifié cette situation, tout à coup, un bazar arrive, alors peut-être parce qu'il y a plus de monde. Du coup, il faut que tout le monde se réorganise, s'entende. Et les énergies, pour les signes d'eau qui sont dans l'émotionnel, les énergies de fête, c'est peut-être un petit peu chahutant pour vous parce que l'envie de bien faire, l'envie de ressentir des choses, d'être connecté aux autres, et c'est un boxon généralisé. Encore une fois, la 5 de bâton, c'est pas très grave, mais on voit qu'avec le roi de bâton à l'envers et le roi d'épée à l'envers, ça vous amuse pas spécifiquement. Vous auriez bien, je pense, aimé... Ben oui, il faut être cohérent. Vous auriez aimé que ça se passe bien, que les choses se passent bien. Vous étiez parti pour. Ça prend pas la tournure que vous auriez aimé que ça prenne. Et finalement, ça vous embête plus qu'autre chose. Alors que vous aviez dit au départ, moi, ça me gêne pas. Il n'y a pas de souci pour moi. Vous occupez pas. Je m'adapterai. Voilà. Et finalement, pas tant que ça. Ou en face, il y a quelqu'un qui a du mal à s'adapter à ce qui se passe. Hein. C'est peut-être pas vous, mais... dans ce cas-là, tout à coup, quelqu'un se réveille et remet le bazar de son côté. Pardon. Alors que tout était clair. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, ami Scorpion. Du 18 au 24 décembre. Le diable, l'empereur. La 4 de coupe, la lune. Le roi de denier, la 6 de coupe. Alors, vous avez une prise de conscience sur un lien, un attachement peut-être. Là, une vérité se pose, s'impose. Vous avez été obligé, vous êtes obligé peut-être dans votre de prendre vos responsabilités ou de souffrir de devoir prendre vos responsabilités parce que obligé d'eux aussi. Vous acceptez un peu votre sort quand même. Vous acceptez cette idée-là, même si vous êtes... j'ai envie de dire pulsionner quand même. Il y a quelque chose, on sent qu'il y a quelque chose qui vous intéresse, ou vous découvrez, ou vous mettez en place des choses, et tout à coup, il faut s'arrêter pour respecter des obligations, attendre, patienter. On le voit à 4 de coupe, il faut patienter cette semaine pour faire ce que vous avez envie de faire, proposer ce que vous avez envie de proposer, accepter ce que vous avez envie qu'on vous propose aussi, à vous. Vous pouvez vous poser des questions sur ce que vous voulez vraiment au bout d'un moment également. On voit qu'avec l'énergie du roi de denier, ben, vous prenez quand même vos responsabilités. C'est important pour vous.
malgré tout. Il y a l'idée quand même de devoir prendre des choses en charge, de faire des choses pour que ça se passe bien, peut-être sur une histoire du passé, oui, peut-être par rapport à vos enfants, vous avez peut-être des problèmes avec les enfants cette fin de semaine, ou vous-même, hein, ça remue, ça fait du remue-ménage au niveau de ce qui s'était passé dans le passé, justement, et qui revient, hein, des frères, des sœurs, voilà, compliqué, toujours. Mais prise de responsabilité, cette semaine, on a dit qu'on se faisait ça, on fait ci, on s'occupe de ce qu'on avait dit qu'on s'occuperait, même si on sent que vous êtes pieds et poings liés dans cette obligation, dans ce système-là. Vous auriez bien aimé en savoir plus, vous auriez bien aimé faire plus, vous auriez bien aimé... Mais là, on vous dit il faut lâcher prise ou alors il faut patienter pour pouvoir ensuite profiter de ce que vous aurez envie de vivre plus tard. Ça vous laissera le temps de réfléchir à la question. Qu'est-ce que vous voudrez mettre en place? Est-ce que vous n'en avez pas marre que ce soit toujours à vous de faire des choses ou de mettre en place? Est-ce que vous n'êtes pas aussi, pour certains scorpions, obligé par un personnage très... l'énergie de celui qui doit prendre beaucoup de responsabilités, vous attendez quand même toujours que cette personne se bouge. Et c'est toujours compliqué, ça amène des conflits, mais bon, vous acceptez cette situation, il faut prendre de la hauteur là-dessus aussi. Ça peut être un père, ça peut être une personnalité, oui, une très masculine, très autoritaire, qui se dit autoritaire en tout cas. On va aller voir. Matériellement, concrètement. Le magicien. Oui, il y a... Le chariot, l'as de coupe, la quête de bâton. Ouais. Matériellement, concrètement, les scorpions. La maison, Dieu, le monde. Reine de denier, reine de denier. Ben, tout est possible et puis tout s'arrête. Et on se recentre sur l'essentiel, c'est-à-dire le concret, le matériel, le foyer, la maison, les préoccupations financières, administratives, concrètes, voilà. Tout est possible. De par cette justice, je pense que là, vous avez une prise directe avec une réalité très objective, vraiment clarifier une situation qui vous redonne tous les pouvoirs, ou vous vous détachez et vous laissez derrière vous quelqu'un qui avait un pouvoir sur vous, mais qui n'était pas forcément le bon. En tout cas, quoi qu'il en soit, on vous arrête. Il y a une maison Dieu qui déconstruit, qui vous oblige à... Ça vous déstabilise quand même, cette idée d'avoir tout à coup toutes les cartes en main, toutes les données, toutes les informations, tous les outils pour pouvoir agir. Alors évidemment, vous avez la capacité d'agir, mais je pense que vous allez plutôt vous concentrer par obligation, pour la majorité d'entre vous, sur le concret, le matériel, le foyer, la famille, en toute logique. Il y a quand même encore des choses à expérimenter, à apprendre, à découvrir. Il faudrait faire des choses, il faut faire des choses. Vous êtes tiraillé au niveau, c'est un boxon au niveau de vos désirs, vous ne savez pas trop, vous partez dans tous les sens un petit peu peut-être pour certains, à galoper à droite à gauche sans trop savoir sur quoi se concentrer de manière logique, efficace. Quelqu'un a dit qu'il s'occuperait des choses et il s'en occupe pas du tout. Du coup, bah, vous apprenez la nouvelle au dernier moment et vous devez vous occuper de tout. Tout, tout, tout en temps record aussi. Ça peut être compliqué. C'est quelqu'un qui vous a vraiment vendu du rêve, en fait, dans ce cas-là. On peut avoir cette idée-là aussi, hein. Pour certains scorpions, quelqu'un peut vous vendre du rêve. Énormément de rêves. Vous voyez la réalité en face. Patatras, ça s'effondre. Et vous êtes obligé de gérer et de prendre en charge tout pour que ça tienne la route, quand même, derrière. On va aller voir le conseil.
On vous dit avec l'étoile et la mort quand même, et le soleil juste derrière, d'ailleurs, qu'il y a quand même, c'est plutôt pas mal quand même. C'est une prise de conscience qui vous recadre, qui vous remet en cohérence. Après, vous y verrez quand même un peu plus clair sur la situation. On va aller voir le conseil, amis Scorpion. La 5 de coupe et la 7 de bâton. Donc, effectivement, sur quelque chose qui ne s'est pas très bien passé, on a une 6 de coupe. On vous dit d'engager une 5 de coupe. Pour passer à la 6, il faut vous battre pour vos désirs. Il faut tenir le coup. On sent qu'il y a quand même une notion... 7 de bâton, transformation, la mort, 6 d'épée qu'on a ici. On essaye quand même de prendre un petit peu de hauteur, d'évacuer des crises, des problématiques pour se recentrer sur l'essentiel. L'essentiel, vous le savez à la fin de cette semaine. Hein. Enfin, en tout cas, cette semaine, vous avez une réponse. Elle est claire dans votre tête, elle est claire dans votre cœur, elle est claire dans votre esprit. Vous re-rentrez en cohérence avec vos désirs. Par contre, pour le mettre en place, ça va être un petit peu plus problématique. Bon, 5 de coupe. Où se situe... les regrets, la tristesse, la mélancolie, la culpabilité émotionnelle, ce qui s'est mal passé, ce qu'on a envie de récupérer, ce qu'on a envie de faire mieux, bien, pour revenir à un équilibre, pour revenir à de la douceur, de la gentillesse, quelque chose de plus beau et équilibré émotionnellement, plus simple aussi. Traiter avec cette tristesse, cette culpabilité, cette mélancolie. Voir ce qui a été raté pour que la prochaine fois, ça ne le soit plus. Une bonne fois pour toutes. Pour être cohérent avec vous-même, que les autres le deviennent avec eux-mêmes aussi, que ça, voilà, que vous rentrez dans une ligne claire et simple pour tout le monde. Les responsabilités, chacun les prend et voilà. On va aller voir le dernier petit message pour vous. Reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. Allez, je vous souhaite, je rentrerai les cartes directes. Allez, c'est parti les scorpions, on y va. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous souhaite de bonnes fêtes. Et je vous dis à très vite.